الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on a rendez-vous avec la biographie du prophète Isa alayhi salam. Il s'agit de l'avant-dernier prophète. Il n'y a pas eu de prophète entre lui et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Telle est notre croyance. Chez les enfants d'Israël, il y avait des pieux et des mauvaises personnes. Et parmi les pieux, il y avait la famille de Imran, une famille très pieuse. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, versets 33 et 34, « Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahim wa Ala Imran ala al-alamin, dhurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. » Certes, Allah a élu Adam. Ce premier être humain, il a fait, Azza wa Jal, que les anges se sont prosternés pour lui. Il l'a fait habiter au paradis. Il lui a pardonné son péché. Certes, Allah a élu Adam, Nuh, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille de Imran, au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Mes frères et sœurs, il faut savoir que la famille de Imran fait partie de la descendance de Sulayman, le prophète Sulayman alayhi salam, qui lui est le fils de Dawoud alayhi salam. Les deux étaient des prophètes. Et Imran est le père de Maryam alayhi salam. Maryam, c'est la mère de Isa, Jésus, alayhi salam, n'est-ce pas? Donc Imran est le père de Maryam, alayhi salam. C'était un grand savant parmi les Banu Israël, les enfants d'Israël. Imran épousa une femme pieuse, appelée Hinna bint Faqud, à qui Allah tabarak wa ta'ala n'avait pas accordé d'enfant. Vous suivez? Et un jour, en voyant un oiseau nourrir son petit, elle désira ardemment avoir un enfant. Et elle demanda à Allah de le lui accorder. Et en effet, Allah tabarak wa ta'ala exauça sa demande. Quelque temps plus tard, elle apprit qu'elle était enceinte. Et elle comprit qu'Allah azza wa jal avait exaucé sa demande. Afin de remercier Allah pour ce grand bienfait, elle voua à Allah de faire que cet enfant soit au service de la mosquée de Bayt al-Maqdis, la maison sainte. Allah tabarak wa ta'ala en parle dans le Coran, dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Rappelle-toi quand la femme de Imran dit: Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient et l'omniscient. Donc je reprends. La famille de Imran est une famille très pieuse. Imran épouse une femme qui n'avait pas d'enfant. Puis elle fait dua, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un enfant, et Allah tabarak wa ta'ala va lui accorder cet enfant. Et afin de remercier Allah pour ce grand bienfait, elle voua à Allah de faire que cet enfant soit au service de la mosquée de Bayt al-Maqdis. On voit donc que l'épouse de Imran était une femme pieuse, une femme reconnaissante envers son Seigneur. Mais la surprise à laquelle elle ne s'attendait pas, c'est que lorsque ce nouveau-né qu'elle attendait vint au monde, elle se rendit compte que c'était une fille, alors qu'à l'époque, ceux qui étaient au service de Bayt al-Maqdis, c'était des hommes. C'était des hommes. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 36, « Falamma wada'atha qalat, qalat rabbi inni wada'atuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at. » وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Puis lorsqu'elle en eut accouché, donc c'est la femme d'Imran, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Elle s'attendait à un garçon. Voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Comme vous le savez, Allah tabarak wa ta'ala a la connaissance parfaite de toutes choses. Allah tabarak wa ta'ala connaît le nombre de gouttes de pluie qui descendent chaque jour. Il connaît le nombre de feuilles d'arbres qui tombent des arbres. Il connaît, Azza wa Jal, le nombre de grains de sable qu'il y a dans le désert. Il a une connaissance parfaite, Azza wa Jal, de toutes choses. Donc, elle dit: Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille dans le fait de servir
Bayt al-Maqdis, c'est ce que dit Ibn Kathir, rahmallah. Elle dit, je l'ai nommée Maryam. Et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Dans la langue de l'époque, le prénom Maryam signifiait l'adoratrice. L'adoratrice. Et lorsque Maryam alayhi salam grandit, sa mère l'emmena vers Bayt al-Maqdis afin de la confier aux adorateurs qui s'y trouvaient là-bas. Tout le monde voulait s'occuper d'elle, puisqu'elle était la fille de leur savant, Imran. Tout le monde voulait la prendre en charge. Et là, ils furent en désaccord. Il y a une divergence. Qui va la prendre en charge? L'un d'eux proposa alors de tirer au sort celui qui s'occuperait d'elle. Et comment tirer au sort? Il a dit, on jette tous nos plumes dans le fleuve du Jourdain, et le propriétaire de la plume qui ira à contre-courant sera celui qui prendra en charge Maryam. Vous suivez? Et le propriétaire de la plume qui ira à contre-courant sera celui qui prendra en charge Maryam. Et c'est ce qu'ils firent. Ils jetèrent tous leurs plumes, qui furent toutes emportées par le courant, sauf une seule plume, qui remontait le courant. C'était la plume du prophète Zakariya alayhi salam. En effet, c'est Zakariya alayhi salam qui en a eu la charge. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans sourate Ali Imran, sourate 3, verset 44. « Thalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk » وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas, il parle ici Azza wa Jal à Muhammad alayhi salam, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetèrent leur kalam, leur plume, pour décider qui se chargerait de Marie, Mariam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans la même sourate, dans le verset 37, a dit « فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا » Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. Il la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zakariya. Vous suivez jusque-là? Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il fit croître Maryam alayhi salam en belle croissance après l'avoir agréée et confiée à Zakariya. Elle a été confiée à Zakariya dans cette maison pure, pieuse, cet environnement embelli par les adorations, la prière, zikrullah, l'évocation d'Allah et son invocation. C'est là que grandit la pure et la pieuse Maryam alayhi salam, et celui qui convenait le mieux à prendre en charge Maryam à cette époque était bel et bien le prophète Zakariya alayhi salam, puisqu'il était le prophète de l'époque. En plus de cela, il était l'époux de sa tante maternelle, ou l'époux de sa sœur, comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Muslim, dans le long hadith de l'Isra du voyage nocturne. Et lorsque Zakariya alayhi salam allait la voir, il trouva auprès d'elle des choses incroyables, des karamates, des choses impressionnantes. Il trouva auprès d'elle de la nourriture qu'il ne lui avait pas apportée. Mais qui donc le lui apportait si ce n'est pas Zakariya? Maryam répondait, cela me vient d'Allah. Vous imaginez? Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans sourate Ali Imran, dans la sourate 3, verset 37. « Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. » قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que celui-ci, donc Zakariya, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Allah accorde la subsistance à qui il veut sans compter. Je sais que vous avez déjà entendu ces versets, et je sais qu'il y en a plein parmi vous qui les connaissent par cœur, mais peu d'entre nous les méditent. Peu d'entre nous méditent que celui qui accorde à qui il veut est Allah subhanahu wa ta'ala. Sache donc mon frère que seul Allah subhanahu wa ta'ala est maître de la subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Hud, sourate 11, verset 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Attache donc ton cœur à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat, sourate 51, verset 22, « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les causes. Fais les causes tout en étant conscient que c'est Allah Azza wa Jal qui t'accordera ta subsistance au moment où il aura décidé, subhanahu wa ta'ala. Et justement, on verra tout à l'heure comment Allah Azza wa Jal va demander à Maryam de faire les causes pour obtenir sa subsistance. On reprend le verset. Chaque fois que celui-ci, donc Zakariya, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Maryam, d'où te vient cette nourriture?
Elle dit, cela me vient d'Allah. Allah accorde la subsistance à qui il veut sans compter. À qui il veut sans compter. Et on dirait que ces paroles sont une introduction de ce qui va venir par la suite. Puisque comme vous le savez, Allah tabaraka ta'ala va accorder à Maryam une autre subsistance bien plus grande. Sans qu'elle n'en ait fait les causes. Sans devoir avoir recours aux lois mondaines. Avant de mettre au monde son enfant béni, Isa alayhi salam, Jésus, on voit qu'elle est pleinement convaincue que c'est Allah qui accorde ce qu'il veut à qui il veut sans compter. Puis Allah tabaraka ta'ala envoya à Maryam ses anges, porteurs de la bonne nouvelle. Allah tabaraka ta'ala en parle dans sourate Al-Imran, sourate 3 verset 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Maryam, certes Allah t'a élu. Allah tabaraka ta'ala l'a élu, il l'a choisi, il l'a favorisé, il l'a honoré, subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah t'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Maryam alayhi salam a été élue. Il s'agit d'une femme modèle. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que, ou bien tes oreilles, Maryam bint Imran. Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par elle. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que Maryam bint Imran, Asya, la femme de Pharaon, et Khadija bint Khuwaylid. Et Aïcha, par rapport aux autres femmes, est comme le farid. C'était un plat composé de pain et de viande. Et Aïcha, par rapport aux autres femmes, est comme le farid sur tous les autres plats rapportés par Bukhari Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallam commence cette liste de femmes modèles par Maryam alayhi salam. Il s'agit d'un modèle exemplaire. L'une des femmes les plus complètes de tous les temps. Ali radiallahu anhu rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la meilleure des femmes de son époque est Maryam, fille de Imran. Et la meilleure des femmes de son époque est Khadija bint Khuwaylid. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé 4 traits sur le sol. Et il a dit, savez-vous ce que c'est? Ils dirent, Allah et son messager sont les plus savants. Il dit, les meilleures femmes du paradis sont. Les meilleures femmes du paradis sont. 1. Khadija bint Khuwaylid. Dans cette version, il a commencé par elle, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. 2. Fatima, la fille de Muhammad, qui est la fille aussi de Khadija, radiallahu anhun. Maryam bint Imran. Et Asya bint Muzahim, la femme de Pharaon rapportée par Ahmed et Ibn Hajar l'a authentifié dans Fath al-Bari. Donc Maryam alayhi salam entrera au paradis conformément au témoignage de notre prophète sallallahu alayhi salam, le véridique, le digne de confiance qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et écoutez ce témoignage privilégié qu'a fait le prophète sallallahu alayhi salam à l'égard de Maryam alayhi salam ainsi que son fils Isa, Jésus alayhi salam. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent à ce propos un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun bébé ne naît sans qu'il ne soit touché par Satan au moment de sa naissance. Et il sort en criant, excepté Maryam et son fils Isa, Jésus. Abu Huraira radiallahu anhu ajouta, lisez si vous le voulez, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le banni. Qui a dit ça? La mère de Maryam. Allah tabaraka ta'ala a élu Maryam, cette femme pure parmi toutes les femmes de tous les temps, afin de lui accorder ce miracle qui est de mettre au monde un enfant sans père. Mettre au monde un enfant sans père. Allah azza wa jal a particulièrement choisi Maryam alayhi salam pour exposer aux gens ce miracle exprimant sa capacité sans limite. Et celui qui cherche par sa raison à atteindre la capacité d'Allah est semblable à une fourmi qui cherche à déplacer une montagne. Allah tabaraka ta'ala est le créateur de cet univers. Des humains, des animaux, des mers, des montagnes, des arbres, des poissons. Méditez sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas insouciants. Allah azzawajal, quand il veut une chose, il dit à la chose soit et elle devient. Donc je reviens à dire qu'Allah tabaraka ta'ala fait que Maryam mette au monde un enfant sans qu'il n'ait de père. Une femme seule qui va mettre au monde un enfant sans avoir recours aux lois mondaines. Puisqu'en temps normal, c'est l'accouplement d'un homme et une femme qui donne naissance à un enfant, n'est-ce pas? Mais Allah tabaraka ta'ala est capable de tout. N'oubliez pas qu'Allah tabaraka ta'ala a créé Adam sans père ni mère. N'est-ce pas?
et qu'il a créé Hawa d'un père sans mère. Et c'est là, Azza wa Jal, qu'il va créer Isa alayhi salam, Jésus, d'une mère sans père. Quant à tous les autres humains, Allah tabaraka wa ta'ala les a créés d'un père et d'une mère. Donc, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décide de créer quelqu'un, il le crée de la manière qu'il veut, Azza wa Jal. À présent, mes frères et sœurs, écoutez avec moi le récit de cet enfantement qui est dans Sourate Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Maryam, Sourate 19, verset 16 au verset 36. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله تبارك وتعالى أجيب خفات عليه الصلاة والسلام mentionne dans le livre, donc le Coran, Maryam. Quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Pourquoi ? Pour adorer Allah. Puis d'un coup, elle fut surprise de l'apparition d'un homme qui vint à elle alors qu'elle s'était isolée pour adorer Allah. Ça, c'est le verset 16 dans Sourate Maryam, la Sourate 19. Elle mit entre elle et eux un voile. Elle s'isola. Nous lui envoyâmes notre esprit, Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux si tu es pieux. Ne m'approche point. Le pieux est celui qui met entre lui et la colère d'Allah un mur. Subhanallah, regardez. Elle s'est retrouvée avec cet homme seul et immédiatement elle lui dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Elle lui dit, si tu es pieux. Une puce qui a peur de tomber dans la fornication. Et elle le rappelle à l'ordre. Elle le rappelle à l'ordre, elle lui dit, in kunta taqiya, si tu es pieux. Ne m'approche point. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où Allah al-Musta'an, catastrophique. Mes sœurs, prenez-en de la graine. Apprenez de Maryam alayhi salam, cette femme modèle. Et n'apprenez pas des femmes toutes fatiguées qu'on essaie de vous exposer aujourd'hui en tant que modèle alors qu'elles ne sont pas du tout des modèles. Et là, Jibril alayhi salam va la rassurer. Lui qui était venu sous forme humaine. Dans le verset, il va lui dire, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc il vient lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, un fils. Un petit point comme ça vite fait en aqida. Le fait qu'elle ait parlé à Jibril ne fait pas d'elle une prophétesse. D'accord ? Bien que l'imam al-Qurtubi rahimallah penche vers cette opinion, l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il n'y a pas eu de prophète femme. Les prophètes sont tous des hommes. 20e verset. Elle dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. Subhanallah. Alors qu'aucun homme ne m'a touché.
C'est un message à toutes les sœurs qui vont écouter cet enregistrement. Regardez, Mariam alayhi salam, elle dit: comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché? Aujourd'hui, malheureusement, il y a, pour pas généraliser, des femmes dans notre communauté qui ont été embobinées par Shaitan et qui sont tombées dans ses filets et qui malheureusement ont été salies par ses rapports avec les hommes étrangers et tous les péchés qu'elles ont commis. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Et là, Mariam reçoit la réponse dans le verset 21. Il dit: ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Comme vous le savez, tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que le feu brûle, n'est-ce pas? Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala a décidé qu'il ne brûle plus, il n'a pas brûlé. Et c'est à l'époque de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Le couteau passé sous la gorge d'un humain ou d'un animal coupe. Mais lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que le couteau ne coupe pas, il n'a pas coupé. C'était pour le prophète Ismaïl alayhi salam. Comprenez qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le puissant qui est capable de tout, azza wa jal. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. Un signe qui prouve la puissance d'Allah et qui montrera aux gens la vérité. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà tout décidé. Azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate At-Tahrim, sourate 66, versets 11 et 12: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Et Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, la femme de Pharaon. Bifadlillah Azzawajal, sa biographie elle est déjà sur le site d'Urus.net. Elle est exceptionnelle. La femme de Pharaon qui s'appelait Asya. Et Allah a cité en parabole, pour ceux qui croient, la femme de Pharaon. Quand elle dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre. Et sauve-moi des gens injustes. De même, Maryam. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire. De même, Maryam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Dans le verset 22, Allah tabaraka wa ta'ala dit: elle devient donc enceinte de l'enfant. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Mes frères et sœurs, est-ce que Maryam alayhi salam a été enceinte de 9 mois, comme toute autre femme normale, ou est-ce qu'elle a été enceinte et a accouché de Isa au même moment? L'avis de la majorité des savants, c'est que c'était une grossesse de 9 mois. Elle a été enceinte normalement, de 9 mois. Et la preuve est que les signes de la gestation commençaient à apparaître en Maryam alayhi salam jour après jour. C'est alors qu'un adorateur pieux de Bayt al-Maqdis appelé Yusuf al-Najjar alla la voir et lui a dit: oh Maryam, je vais te poser une question sur une chose. Prends le temps de me répondre. Écoutez bien le dialogue qu'il va y avoir entre Yusuf al-Najjar et Maryam alayhi salam. Maryam lui dit: pose ta question au Yusuf et ne dis que la vérité. Yusuf lui dit: oh Maryam, existe-t-il une plante sans qu'elle n'eût une graine? Vous suivez? Regardez où est-ce qu'il veut arriver intelligemment. Cet homme connaissait très bien Maryam et savait à quel point elle était pieuse et pure. Oh Maryam, existe-t-il une plante sans qu'elle n'ait eu une graine? Une plantation sans pluie? Un enfant sans père? Maryam lui répondit: oui Youssef. Il lui dit: et comment cela, oh Maryam? Maryam lui dit: oh Youssef, as-tu oublié qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam sans père ni mère? Et as-tu oublié qu'Allah, lorsqu'il a créé les arbres et les plantes, il les a créés sans graines? Vous avez eu la réponse? Youssef dit: je sais qu'Allah est capable de tout. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Mes frères et sœurs, lorsque les douleurs de l'accouchement vinrent à Maryam alayhi salam, alors qu'elle était une femme seule à supporter ces douleurs, dans un désert, sans père ni mère, sans médecin ni sage-femme, c'est alors qu'elle souhaita la mort.
Elle souhaita la mort. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Elle avait peur des dires des gens. Elle avait peur des dires des gens. Alors elle s'est souhaité la mort. Ici une leçon, c'est que la personne a le droit de se souhaiter la mort si elle a peur d'être atteinte d'une fitna dans sa religion. Par contre, si c'est pour une chose de ce bas monde, il n'est pas permis de le faire la preuve. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne doit souhaiter la mort pour un mal dont il souffre. S'il doit absolument le faire, qu'il dise, Allahumma ahyini ma kanat al hayat khayran li wa tawaffani idha kanat al wafat khayran li. Seigneur, Allah, garde-moi en vie tant que la vie m'est préférable. Et fais-moi mourir si la mort m'est préférable, rapporté par Bukhari Muslim. Vous suivez? Maryam alayhi salam a donc dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Verset 24. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Il est dit que c'est Jibril alayhi salam. Dans d'autres tafsirs, il est dit que c'est Isa alayhi salam. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier. C'est une femme, hein, enceinte. Secoue vers toi le tronc du palmier. C'est pas une tâche facile. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Donc ici, Jibril, ou Isa, la raffermit et l'informa de sa subsistance en lui demandant de secouer le tronc d'un palmier. Le tronc d'un palmier, ben vous êtes d'accord avec moi, un homme fort ne peut même pas le secouer. Mais il y a ici un enseignement pour nous. C'est que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu te dois de faire les causes. Fais les causes. Là, on voit bien que secouer un tronc de palmier, pour elle, c'est pas facile. Il lui demandait de faire les causes. Puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accordera ou non la réussite. Et à travers ce passage, il y a encore un autre enseignement impressionnant. C'est qu'il n'y a de meilleure nourriture que les dattes pour une femme qui vient d'accoucher. Il n'y a pas mieux. Ça contient énormément de bienfaits, vous pouvez même vérifier sur internet. Dans le verset 26, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Autrefois, se taire était une adoration. Verset 27, puis elle vint auprès des siens en le portant. Elle porte le bébé. Imaginez-vous maintenant. Elle vient avec un bébé auprès de son peuple. Maryam alayhi salam, la pure, l'adoratrice, la fille de Imran. Puis elle vint auprès des siens en le portant, yani le bébé. Ils dirent, oh Maryam, tu as fait une chose monstrueuse. Pour eux, c'est une catastrophe. Verset 28, sœur de Haroun. Et là, attention, sœur de Haroun, il y a Ukht Haroun, ça ne veut pas dire que c'est sa sœur de sang. Le sens ici de sœur de Haroun est toi qui ressembles à Haroun dans tes adorations. Voir ce qu'a dit Ibn Kathir et d'autres. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, vers le bébé. Elle n'a pas parlé, elle a juste fait un signe vers le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Allahu Akbar. Inni Abdullah. Vous imaginez un bébé qui parle et qui dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Et on remarque, il n'a pas dit, je suis Dieu. Il n'a pas dit, je suis le fils de Dieu, comme le prétendent certains. Et vous savez très bien que ces croyances sont totalement fausses. Non, il a dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Jésus, Isa alayhi salam, proclame haut et fort qu'il est le serviteur d'Allah et il n'en a jamais eu honte. Bien au contraire, c'est la première parole qu'il a prononcée. On reprend le verset 30. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, donc il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Verset 33. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, car à la fin des temps, comme toutes les créatures, Isa alayhi salam, il va mourir. J'ai bien dit à la fin des temps. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Dans notre croyance, là, il est où? Il a été élevé au ciel. Et elle redescendra avant la fin des temps. Pourquoi? Pour tuer le Messie Ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux Messie. Et ce sera lui et son armée qui vont s'abriter au mont. Alors en Égypte, Tour
pour se protéger de Gog et Magog. Et après, ils invoqueront Allah. Et puis Allah anéantira Gog et Magog. Et puis à la fin, il mourra, alayhi salam. Mais là, dans notre croyance, Jésus n'est pas mort. Et on va voir après en détail l'histoire de la crucifixion, inshallah. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie. Parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit, et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Mes frères et sœurs, Isa, le prophète Jésus, n'était pas Dieu, comme l'ont prétendu certains. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate al-Ma'ida, sourate 5, verset 17, « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » Allah Azza wa Jalla dit, certes, sont mécréants ceux qui disent, Dieu, c'est le Messie fils de Marie. C'est pas Dieu. Et c'est pas le fils de Dieu. C'est le serviteur de Dieu, le serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui donc détient quelque chose de Dieu pour l'empêcher? S'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre, à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ceux qui se trouvent entre les deux, il crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 30, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Les juifs disent عزير est le fils de Dieu. Et les chrétiens disent le Christ, donc Isa, est le fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Isa n'est pas Allah et il n'est pas le fils d'Allah. Allah n'a pas eu d'enfant. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Maryam, sourate 19, verset 88 à 95, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. En islam, Isa n'est pas Allah, ni son fils. Et sachez que la Trinité est rejetée par notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'idah, sourate 5, verset 73, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Dieu est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. C'est l'exagération qui a amené les chrétiens à dire ce qu'ils ont dit sur Isa alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, sourate 4, verset 171, en parlant de cette exagération qu'ont eu les chrétiens, Allah tabarak wa ta'ala a dit, Ya ahl al-kitab, لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Au gens du livre. Donc, ici c'est adressé aux chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez
ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. Et écoutez ce magnifique dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et Isa alayhi salam, qui aura lieu le jour du jugement. Comme l'a dit Ibn Kathir rahimahullah. Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat al-Ma'idah, surat 5, verset 116 à 118, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني et on va parler après de ce terme al wafat فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Ça, c'est le discours qu'il y aura entre Allah et Isa le jour du jugement. Écoutez attentivement. Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà le message de Isa alayhi salam. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, et pas tu m'as accordé la mort, on va pas le traduire comme ça. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et c'est pour la première fois qu'un prophète parmi les doués de fermeté, Ulul Azm min ar-Rusul, est affilié à sa mère. Il s'agit de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Tout au long de sa vie, Isa alayhi salam était un serviteur d'Allah. Il appelait les gens à l'adoration d'Allah sans rien lui associer. Il appelait à l'islam, tout comme l'ont fait tous les autres prophètes. Ça choque certains des fois, ça, d'entendre que tous les prophètes, ils ont appelé à l'islam. Ils ont tous appelé à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, surat 3 verset 19: Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Imran, surat 3 verset 85: Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Isa alayhi salam, le prophète Jésus, a vécu musulman. Il était soumis à Allah. Rappelez-vous, hein, un musulman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était un humble adorateur d'Allah azzawajal, selon Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a attesté qu'il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans rien associer. Donc il n'invoque pas en même temps des morts devant leur tombe, etc., etc. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu invoques, invoque Allah. Hein? Demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. N'adore qu'Allah, ne jure que par Allah. Dans le cas où il y a vraiment besoin de jurer. Et bien sûr, il faut éviter tout ce qui est juré par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie du petit shirk. Pareil pour ceux qui croient au mauvais augure, hein, le vendredi 13, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont nuire à ton tawhid. Celui qui a attesté qu'il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans aucun associé. Que Muhammad est son humble adorateur et son messager. Que Jésus est l'humble adorateur de Dieu, son messager. Sa parole qu'il a jetée à Maryam, Marie, et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Dieu l'introduira au paradis, quelle que soit son œuvre apportée par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, Isa alayhi salam commença à grandir petit à petit. Et depuis son enfance, il fit des miracles qui impressionnèrent Banu Israël. Il est dit que pendant qu'il allaitait, il faisait du tasbih. Pendant qu'il allaitait, il faisait du tasbih, il disait Subhanallah. Il louait Allah tabaraka ta'ala. Les Banu Israël n'ont pas cru en lui et ont insulté sa mère
de fornicatrice. Isa alayhi salam continua à faire des miracles. Son cas se répandit parmi les Banu Israël au point où ils complotèrent contre lui et sa mère. Mais Allah Azzawajal inspira à la mère de Isa, de Jésus, de se retirer dans un endroit éloigné et stable. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, verset 50. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآتَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Et nous fîmes du fils de Marie, ainsi que sa mère, un prodige. Et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Isa alayhi salam, lorsqu'il grandit, il fabriquait à partir de l'argile des oiseaux. Puis il soufflait dessus et par la permission d'Allah, il devenait un oiseau. Vous imaginez un petit peu? C'est impressionnant quand même. Isa alayhi salam, quand il a grandi, il fabriquait à partir de l'argile des oiseaux. Puis il soufflait dessus et par la permission d'Allah, il devenait un oiseau. À son époque, il y avait des sorciers qui étaient étonnés en voyant cela car eux connaissaient bien la sorcellerie. Ils savaient que ce que faisait Isa alayhi salam n'était pas de la sorcellerie. Allah tabaraka ta'ala donna le don à Isa alayhi salam de redonner la vue à l'enfant né aveugle. T'imagines? L'enfant, il est né aveugle. Isa alayhi salam avait le don de lui rendre la vue par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était grâce à Allah azza wa jal. Il passait sa main sur la peau du lépreux et celui-ci guérissait de sa maladie. La première fois où Isa alayhi salam ressuscita quelqu'un fut le jour où il passa près d'une femme qui, assise près d'une tombe, pleurait. Écoutez bien, ça c'est relaté dans la vie des prophètes d'Ibn Kathir, rahimallah. La première fois où Isa alayhi salam ressuscita quelqu'un fut le jour où il passa près d'une femme qui, assise près d'une tombe, pleurait. Il lui demanda, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Ma fille unique est morte. Et j'ai fait un serment à Allah que je ne quitterai cet endroit avant que je ne meure comme elle, ou qu'Allah me la ressuscite pour que je puisse la voir. Je ne quitterai pas cette tombe tant que Allah ne me l'a pas fait voir ou que je suis morte. » Il y a deux choix, il n'y en a pas trois. Jésus, Isa alayhi salam, lui dit, « Si tu réussissais à la voir, quitterais-tu cette place ?» Elle répondit, « Oui. » Alors il fit deux rakat, puis s'assit près de la tombe et dit, « Oh, une telle, lève-toi avec la permission d'Allah et sors. » Imagine-toi comment c'est impressionnant. C'est impressionnant. À ce moment-là, la tombe bougea. À son second appel, la tombe se fendit avec la permission d'Allah. Il l'appela une troisième fois et elle sortit, époussetant de sa tête le sable. Jésus lui dit, « Pourquoi as-tu été lente à me répondre ?» Elle répondit, au premier appel qui m'est parvenu, Allah envoya un ange qui me refaçonna le corps. C'est impressionnant. Au second appel, il me rendit l'âme. Ensuite, au troisième appel, je craignis que ce ne fût la résurrection, alors mes cheveux, mes cils et mes sourcils ont blanchi de peur. Elle a cru que c'était la résurrection. Elle sortit avec des cheveux blancs. Puis, elle s'approcha de sa mère et dit, « Oh maman, qu'est-ce qui t'a poussé à me faire subir la peine de la mort deux fois ?» Oh maman, patiente et résigne-toi, je n'ai aucun désir de vivre. Et elle a dit, oh esprit d'Allah et sa parole, demande à mon Seigneur, elle parle ici à qui? À Isa alayhi salam, à Jésus. Oh esprit d'Allah et sa parole, demande à mon Seigneur de me refaire mourir et de me rendre la mort aisée. Jésus, Isa alayhi salam, pria son Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala la rappela à lui et la terre s'aplanit sur elle. Et tous ces miracles sont cités dans le Coran. Allah tabaraka ta'ala nous parle de tout cela dans Sourate Al-Ma'ida, Sourate 5, verset 110. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, udhkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatik, idh ayyadtuka bi ruhi al-Qudus, tukallimu an-nasa fi al-mahdi wa kahla, wa idh 'allamtuka al-kitaba wal-hikmata wat-tawrata wal-injil, wa idh takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi'idhni, fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idhni. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Et quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission
l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. On voit bien, par ma permission. Isa alayhi salam n'était pas un dieu. Isa alayhi salam, c'était le serviteur de Dieu. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire, ce n'est que de la magie évidente. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, surat 3, verset 49. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. On parle ici de Isa alayhi salam. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Et je vous informe de ce que vous avez mangé. Il était capable, alayhi salallahu alayhi salam, de leur dire, toi tu as mangé ça, et toi tu viens de manger ça, et toi tu viens de manger ça. Et même de leur dire, toi chez toi il y a ça à manger, et toi chez toi il y a ça à manger. Écoutez bien. Et je vous informe de ce que vous avez mangé et ce que vous avez amassé dans vos maisons. C'est impressionnant. Hein? Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Subhanallah, un seul de ces miracles est déjà une preuve tranchante de sa prophétie. Imaginez-vous qu'il est venu à un peuple avec autant de miracles et énormément de gens n'ont pas cru en lui. Le prophète Isa alayhi salam a annoncé aux gens qu'il y allait avoir un prophète après lui qui allait s'appeler Ahmed. Allah tabarak wa ta'ala en parle dans surat al-Saf, surat 61, verset 6. « وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Oh, enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous. Confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. » Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai cinq noms. Je suis Muhammad et Ahmed. Ça fait partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis Muhammad et Ahmed. Je suis Al-Mahi, par qui Allah éliminera la mécréance. Je suis Al-Hashir, qui sera le premier à être ressuscité, et après qui les gens seront ressuscités. Et je suis Al-Aqib, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après moi rapporté par le Bukhari. Donc il a cinq noms, alayhi salatu salam, dont Ahmed. Un jour, un groupe d'entre eux, qui avait cru en Isa alayhi salam, qui avait jeûné pendant 30 jours, demandèrent à Isa alayhi salam de leur faire descendre une table du ciel, afin qu'ils rompent leur jeûne, et que leur cœur soit raffermi. Imaginez-vous, hein, on veut rompre notre jeûne, mais avec un repas qui nous vient du ciel. Et là on parle d'un groupe qui avait cru en Isa alayhi salam. Isa alayhi salam invoqua Allah azzajal. Puis Allah tabarak wa ta'ala fit descendre du ciel une table sous les regards des hommes qui la voyaient se frayer un chemin entre les nuages. Ils virent cette table contenant de la délicieuse nourriture et boisson. Isa alayhi salam leur ordonna de manger, mais ils ont eu peur. Alors Isa demanda qu'on fasse venir les pauvres, les nécessiteux. Ils mangèrent cette nourriture délicieuse et ils furent tous guéris de leur maladie. Impressionnant. Dès qu'ils mangèrent, tous ceux qui étaient atteints d'un handicap ou d'une maladie incurable guérirent. Voir ce qu'a dit Ibn Kathir, rahimahullah. Allah tabarak wa ta'ala en parle dans surat Al-Ma'ida, surat 5, verset 112 à 115. « إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Une table servie.
La sourate numéro 5, elle s'appelle comment? La table servie, Al-Ma'ida. Écoutez bien. Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger. Rassurez ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus. Ici là, Jésus va faire une invocation. Isa alayhi salam va faire une invocation. Ô Allah, notre Seigneur, dit Isa, Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Isa alayhi salam n'avait pas de maison. Il parcourait la terre afin d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il exhortait les gens et la plupart d'entre eux se moquaient de lui. Et wallah al-azim, ses exhortations, ses rappels étaient poignants. Écoutez avec moi. Un jour, Isa alayhi salam sortit vers ses compagnons, portant un vêtement de laine. Un vêtement de laine, les pieds nus. Il était en pleurs. Son visage était pâle de faim et ses lèvres desséchées de soif. Il dit, que la paix soit sur vous, ô fils d'Israël. Regardez la manière de dialoguer avec les gens. Que la paix soit sur vous, ô fils d'Israël. Je suis celui qui a donné à ce monde sa juste valeur par la permission d'Allah et je le dis sans vanité. Isa leur a dit, savez-vous où est ma maison? Ils lui demandèrent, où est ta maison, ô esprit d'Allah? Il répondit, les temples sont mes maisons. Les temples, donc où ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, sont mes maisons. L'eau est mon médicament. La faim est mon condiment. La lune est ma lanterne la nuit. Les levées du soleil sont mes prières d'hiver. Les légumes de la terre sont mon myrte. La laine est mon habit. La crainte du Seigneur est mon emblème. La crainte du Seigneur est mon emblème. Et les pauvres sont mes compagnons dans ce bas monde. Allahu Akbar. Impressionnant. Quand je me réveille le matin, je ne possède rien. Et quand la nuit tombe sur moi, je n'ai toujours rien. Je suis content sans être insouciant. Qui donc est plus riche que moi? C'est impressionnant. Qui donc est plus riche que moi? Parce que la vraie richesse, c'est laquelle? C'est celle du cœur. Combien on a de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont tristes, qui souffrent et qui vont même jusqu'à se suicider? La vraie richesse, c'est que tu puisses avoir une connexion avec ton Seigneur Azza wa Jal. Là, tu es un vivant. Là, tu es riche. Et le prophète Sassam a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce bas monde, mais la vraie richesse est celle du cœur. Plus tu vas connaître ton Seigneur, plus tu vas l'adorer, plus tu vas être riche. Riche de l'intérieur. Un jour, Isa alayhi salam a dit, ô fils d'Adam, crains Dieu où que tu sois. Ne sois qu'un invité dans ce bas monde. Et prends les temples pour demeure. Les temples à l'époque, c'était les mosquées pour nous aujourd'hui. Et prends les temples pour demeure. Apprends à ton œil de pleurer. Une adoration qui est magnifique. Apprends à ton œil de pleurer, à ton corps de patienter et à ton cœur la méditation. Ne te préoccupe pas des biens que le lendemain t'apporterait. Arrête de te soucier de l'argent, de rizq, ça c'est une affaire classée. T'inquiète pas. Ne te préoccupe pas des biens que le lendemain t'apporterait, car c'est une erreur d'y penser. Il disait aussi, alayhi salam, comme il n'est pas possible pour vous de faire des maisons sur les vagues de la mer, est-ce que vous êtes capable de construire des maisons sur les vagues des mers? Impossible. Comme il n'est pas possible pour vous de faire des maisons sur les vagues de la mer, ne faites pas de ce monde un lieu de stabilité. Il conseillait les gens, les exhortait. Et un jour, il a senti qu'il allait être tué. Alors, il demanda, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Allah tabaraka ta'ala relate cela dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 52. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu et sois témoin que nous sommes musulmans. Ça c'est les apôtres de Isa alayhi salam, de Jésus. Bani Israël a commencé à provoquer la colère des rois contre le prophète Isa alayhi salam. Ils dirent à un des rois, Isa va prendre ton royaume. Ils ont dit à un des rois, Isa va prendre ton royaume. Il va appeler les gens à l'adorer. Il va préparer une armée pour te combattre. Le roi demanda, que dois-je faire? Ils dirent, envoie-lui une armée afin de le tuer et te débarrasser de lui. Ce roi envoie une armée
afin de tuer Issa. À cette époque, Issa avait 33 ans. Il est rapporté que Mariam, alayhi salam, la mère de Issa, était vivante à cette époque. Ils se mirent à chercher Issa pour le tuer. Puis une personne leur a dit où se trouvait Issa. Issa était à ce moment-là dans une des maisons et autour de lui, il y avait 12 apôtres. Le prophète Issa alayhi salam a dit en substance: qui d'entre vous est prêt à se sacrifier afin d'être avec moi au paradis? Écoutez bien. Qui d'entre vous est prêt à se sacrifier afin d'être avec moi au paradis? C'est quoi ce sacrifice qu'il lui demandait de faire? Il est demandé à ce qu'une personne parmi vous sorte à leur rencontre et Allah fera qu'il me ressemblera. Et il sera tué à ma place. Donc il en a 12 autour de lui et il demande. Personne n'osa se lever si ce n'est le plus jeune d'entre eux. Et Issa lui a dit: tu es jeune, assieds-toi. Il leur répéta la même chose. Qui est donc, hein, parmi vous, est capable de sortir à leur rencontre, etc. Et le même jeune se leva la deuxième fois, puis la troisième fois, il a dit: moi. Issa alayhi salam alors essuya sa tête et lui a fait des invocations. Puis cet homme se dirigea vers la sortie. Et avant qu'il sorte de la maison, les apôtres de Jésus et Issa virent Issa s'élever au ciel. Il y a eu une petite ouverture dans le toit de la maison et Issa fut élevé au ciel par celle-ci. Qui l'a élevé? C'est Allah Azzawajal qui l'a élevé. Le jeune sortit donc de la maison et les gens pensèrent qu'il s'agissait de Issa. Ils l'ont torturé, tué et crucifié. Vous suivez? Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, Surat 3 verset 54: wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Et ils, donc les autres, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Ils voulaient tuer Issa, ils l'ont pas tué. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, Surat 3 verset 55: Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Rappelle-toi quand Allah a dit: ô Isa, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre. Cela ne veut pas dire qu'il va prendre son âme. Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Mettre fin à la vie terrestre ne veut pas forcément dire en soi la mort de l'âme, en dehors de celle du corps, ni celle des deux, sauf indication spécifique. Cela peut désigner aussi le sommeil. Al-Wafat, ça peut désigner le sommeil. Comme Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 42, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Le peuple de Banu Israël se mit à dire: on a tué Issa et on l'a crucifié. Ils étaient fiers de leur acte. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, versets 157 et 158, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, dit Allah. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Ces versets montrent clairement que les juifs n'ont pas tué Issa ibn Maryam, ni crucifié. Maryam alayhi salam, quant à elle, pleurait, car elle pensait que son fils avait été tué. Sa sœur aussi pleurait. Pendant que la mère de Issa était en train de pleurer, elle vit un homme sur son chemin. Elle sut que c'était Jibril alayhi salam. Elle lui dit: que veux-tu au Jibril? Jibril lui annonça la bonne nouvelle, que son fils n'avait pas été tué. Elle lui dit: si, mon fils a été tué. Jibril lui dit: non, il s'agit d'un homme qui lui ressemble. Quant à ton fils, il est vivant et Allah l'a élevé au ciel. Issa alayhi salam est vivant, telle est notre croyance, et redescendra avant la fin des temps pour tuer le faux messie. Tout cela a été cité dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves qu'il va redescendre sur terre, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zukhruf, Surat 43 verset 59 à 61.
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. Il, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Il sera un signe pour l'heure. Il est parlé ici de Isa alayhi salam. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Isa alayhi salam a été décrit dans la sunna authentique par le prophète alayhi salam. Les textes de la religion ont rapporté que c'est un homme de taille moyenne. Ni long, ni court, brun, la poitrine large, les cheveux plats. Il donne l'impression en le voyant de juste sortir du hammam. Il a la chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles, hein, qui emplit l'espace entre ses épaules. Bien sûr, tout ça, quand on a parlé de la descente de Isa alayhi salam dans la série Les Signes de la Fin des Temps, on a décrit bien comme il faut avec les hadiths authentiques à quoi ressemble le prophète Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, quand il descendra avant la fin des temps, il priera derrière Al-Mahdi. Al-Mahdi qui lui dirigera la prière. Dans le long hadith de Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, le prophète alayhi salam dit, entre temps, Allah enverra le Messie, fils de Marie. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Notez une chose, c'est qu'au moment de ces prophéties, la Syrie était byzantine et loin d'avoir des minarets. Le prophète alayhi salam nous décrit où est-ce que Isa alayhi salam va descendre à la fin des temps. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Et il portera alors deux vêtements de teinte jaunâtre. Il décrit même ses vêtements alayhi salatu wasalam. Et aura les deux mains posées sur les ailes de deux anges. Quand il baissera la tête, il en tombera des gouttes d'eau. Et quand il la lèvera, elle laissera couler comme des perles. Aucun mécréant ne pourra sentir l'odeur de son haleine sans tomber raide mort. Or, son haleine va aussi loin que son regard. Puis Jésus, Isa, viendra à un peuple que Dieu a préservé du faux messie. Jésus leur passera la main sur le visage et leur parlera de leur rang au paradis rapporté par un musulman. À son époque, à l'époque de Isa alayhi salam, se propagera la sûreté, la paix et l'aisance. La baraka, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala seront très nombreuses. Dans le hadith de Nawas ibn Sam'an toujours, le prophète sallam a dit « Ensuite, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile ni faite de poils. Et il lavera la terre qu'il laissera telle un miroir. Puis on commandera à la terre « Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions. » Il y aura beaucoup de baraka à l'époque de Isa, et c'est rapporté par les mêmes musulmans. Taïb, il va rester combien de temps quand il va redescendre avant la fin des temps? Quant à la durée de l'existence de Isa alayhi salam sur terre après sa descente, certaines versions font mention qu'il restera 7 années et d'autres 40 ans. Dans une version rapportée par un musulman d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi salam a dit « Alors Allah enverra Isa ibn Maryam. » Puis les gens demeureront 7 années sans qu'il n'y ait d'animosité entre eux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté du Cham. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids d'un atome de bien ou deux fois sans qu'il ne l'emporte, rapporté par un musulman. Donc ici on a qui restera 7 années. D'accord ? Dans la version de l'imam Ahmad et Abu Daoud, le prophète me dit « Ensuite il demeurera sur terre 40 ans. Mourra et les musulmans prieront sur lui. » Ces deux versions sont authentiques. Ce qui pose problème, c'est est-ce qu'il va rester 7 ans ou 40 ans ? Eh ben, les savants ont fait le jam'a bayna riwayat. Ils ont dit, en fait, on considérera qu'il restera 7 ans sur terre et comme il a été élevé à l'âge de 33 ans, ça fera donc 40 ans. Voilà qui était réellement le prophète Isa alayhi salam. Il n'y a pas eu de prophète entre lui et Muhammad alayhi salam. Isa alayhi salam a fait partie des 5 prophètes et messagers doués de fermeté ulul azm min ar-rusul. Il est de notre devoir de croire en lui, au livre qu'il a reçu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'évangile qui a été bien sûr falsifié par la suite. Isa alayhi salam, y croire, ça fait partie de notre croyance. Nous, en tant que musulmans, on croit en tous les prophètes. On les honore et on les élève au degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé, sans exagérer et sans laxisme. Voilà la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et voilà en résumé, encore une fois, ce qu'il y avait à dire sur la biographie du prophète Isa alayhi salam. Hada ma a'lam wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khair. Et on vous dit à la semaine prochaine, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.